Bonjour à tous, ici Sprilex et bienvenue dans ce 16e épisode de Let's Play sur Bioshock. Alors, on continue. On va essayer de faire maintenant la quête principale. C'est l'échelle qu'il faut, l'escalier qu'il faut que je prenne. Bien entendu, il y a le gros tas qui m'emmerde, donc je vais passer par l'autre côté. Donc, on suit la flèche. Dans mon bureau qui servira de catalyseur. Maintenant, il me faut 4 bouts de câble R34 pour neutraliser le circuit et une demi-boîte de précipité ionique. C'est ce qui fait détonner le mélange. Ça devra activer le mode compensation du noyau, faire baisser la puissance sur la ligne et déclencher le coupe-circuit de la porte de Ryan. Enfin, en théorie. Soit ça marchera comme sur des roulettes, soit la moitié de rapture y passera. Il ne risque rien. J'ai supplié Monsieur Ryan d'offrir Fontaine Futuristix aux hommes d'Atlas comme cadeau de paix, mais ce crétin n'a pas voulu entendre raison. Au lieu de ça, il injecte des plasmides de plus en plus puissants à ses acolytes. Il y a une course à l'armement ici, à Rapture, mais il ne s'agit pas de savoir qui construira le plus gros canon ou la plus grosse bombe. C'est à qui passera le plus vite de l'état d'être humain à celui de monstre. On n'avait pas aisément le cerf assemblé. Qu'est-ce qu'il me faut ? Les objets sont indiqués dans votre journal. J. Non M. Alors, objectif. Terminer la bombe IEM. Porter tous les composants nécessaires à l'atelier. Où se trouve le boîtier. Trouver du précipité ionique. Trouver une charge de nitroglycérine. Trouver 4 faisceaux de câbles. Machin. Donc, ok. Donc, on continue. Ah bah. Ok, alors par ici. Il y a le nanitro. Donc il doit avoir un bouton quelque part. Ça doit être ici, il doit être visible. Pas de bouton. Alors comment que je fais? Hop.
dégager, comme ça je peux voir si... C'est du blindé. Je peux pas prendre avec le... Avec le magnétisme, enfin... Y'a rien sur le plafond... Ah, je suis un peu coincé là. Ça doit être tout con, hein, et je le vois pas. Comme d'habitude. Ah bah. Comme je disais. Bah. Ah, l'électricité. Pirate, c'est bon, j'ai un petit, ça va aller facilement. Hop, j'ai eu le temps de tout. Allez, allez, allez. Je vais pouvoir trouver ces cochonneries. D'accord. Il y avait un cadavre dans le placard. Sans jeu de mots. J'avoue que ça marche bien, le électrifié, puis surtout que j'ai électrifié deux, donc une ville au fond de l'océan. Mais où pouvions-nous être en train libre de l'emprise crochue des parasites? Où pouvions-nous construire une économie qu'il ne tenterait pas de contrôler? Une société qu'il ne chercherait pas à détruire? Ce n'est pas de bâtir Rapture au fond de l'océan qui était impossible. C'était de la bâtir ailleurs. Ok. Allez. L'horizontale, vite. Bah, je suis baisé. Là on remonte, là on fait le coude et on va à l'horizontale. Hop.
Bienvenue à la farandole des prix. Regardez quand vous aurez l'argent, ami. Très bien. Bon bah on va déjà placer tout ça hein. Toi tes copains. J'ai repris de la chevrotine parce que ça me manquait. Qu'est-ce qu'il me manque? Trouver 4 faisceaux de câbles. Malheureusement, on n'en trouverait que des R34 dans les armures portées par les protecteurs. Donc il faut que je bute encore du protecteur. Oh. Je veux pas, c'est mon pote. Mais bon. S'il le faut. Ah non! Ah, ils m'ont eu! J'ai été un peu trop imprudent. Bon, ça m'arrive, hein, ça. Alors, mais de douleur. J'ai qu'un robot. Ça ne devrait pas hurler un robot. Alors, qu'est-ce que je peux prendre ? Pas encore assez pour arc électrique 3. J'ai paniqué.
panique et ton proie au désespoir. Ça comme ça, ça me permet de voir venir un peu plus, comme ça, comme ça, comme ça, et voilà. On pirate vite fait. Alarmes. Je vois pas si là. Voilà, comme ça maintenant on peut monter là par exemple. Hop, hop et hop. On pirate encore. Bien dans le fait de pirater, c'est que bah après ça défend quoi. Peut-être pas non plus énormément, mais le minimum que ça fait, c'est le minimum que je dois pas faire moi-même. Et donc bah économie de balles, économie de vie. Un vertical, j'en ai pas. Là. Bah allez, tant qu'on y est. On va se soigner, et mais pour ça, je veux payer le moins cher possible. Hop. Un vertical ici, et il manque un horizontal. Que j'ai pas. Bah si, là. Tout simplement. Les ascenseurs sont hors service. Donc ici, on peut pas. De quoi changer les plasmides. Très bien. Ah, j'entends. Il est là. Hop. C'est rien du tout ça. C'est pas bon. J'aurais eu sa vie très basse, j'ai dit c'était lui ou moi, ben c'était moi. Mais il est à côté, donc tout va bien.
Voilà. Ok, j'ai tous les câbles. Je peux continuer. Non, je peux pas, je peux pas. Forcé pour la tuer. Hein. L'argent. J'ai envie d'acheter encore des munitions pour une paillette. Et d'acheter une routine. Voilà, plus d'argent assez. Mais c'est pas très grave. J'entends mais je le vois pas. Un peu de soin. Donc on va finir la bombe IEM. Je pensais que j'allais la faire exploser quand même. Ouais, mais ça va bientôt péter. C'était ton visage. Donc ça va être ici. Je pensais que ça allait être là-dedans, mais... Diriger le flot de magma. Ces créatures parvenues vous pénalisent. Moi-même, je l'ignore. Vous me poussez vers le gouffre, mais vous êtes entraîné avec moi. Je vous en prie de mort rapide, parasite. Ce serait préférable à ce que vous avez rencontré si près. Online. Donc là je peux aller dans l'ascenseur.
Ah d'accord, on a évaporé le l'eau qui était ici. Vous êtes si loin de votre famille, de vos amis. Oh purée. Vous avez aimé. Vous aimez cet endroit sans savoir pourquoi. Vous ressentez une émotion sans pouvoir mettre le doigt dessus. Réfléchissez un instant. Le mot vous viendra peut-être à l'esprit. Nostalgie. Que vous a proposé Atlas? Une parcelle de ma ville saccagée? N'oubliez pas ce que je vais vous dire. Et c'est parti. Du noyau, ouais. Mais vous ne me vaincrez pas. Ma force ne réside pas dans l'acier et le feu, mais dans l'intelligence et la fermeté. Vous entendez un bon. Je suis là. C'est où là? C'est surtout ça. Au début, à l'entrée, ouais. On va prendre un petit allié au cas où. Comme ça. On va descendre. Très bien tout ça. Et on descend encore de 1. Il est là. Là, je ne suis pas encore allé. Cryo 2. Ou le Cryo 1. Quelle est la différence entre l'homme et le parasite? L'homme bâtit, le parasite demande « Où est ma part ?» L'homme crée, le parasite s'interroge « Que vont penser les voisins ?» L'homme invente, le parasite déclare « Attention, vous risquez de marcher sur les pieds de Dieu. » Ok. Bon, on va arriver à la fin, mais on va devoir faire ça dans le prochain épisode, parce que je ne sais pas combien de temps ça va durer. Peut-être que ça va durer que 5 minutes. Tout à fait possible. Mais bon, allez, on va s'arrêter là pour cet épisode et on verra donc dans le suivant. En attendant, eh bien, merci d'avoir regardé, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires, mettez des pouces en l'air, abonnez-vous pour ne pas rater la suite, et portez-vous bien. Bye.